En Chine, quatre employés de la compagnie minière britannique australienne Rio Tinto ont été accusés d'avoir volé des licences de fabrication et accepté des pots de vin. Les accusations reportées par l'agence d'information de l'État Xinhua sont les dernières nouvelles sur ce cas, qui ont provoqué la colère du gouvernement australien et suscité l'inquiétude des compagnies occidentales quant à leurs opérations en Chine. Parmi les accusés se tient Stern Hu, né en Chine et citoyen australien, négociateur de minerais de fer. Après avoir été détenu en juillet dernier, M. Hu a été retenu durant un mois, sans charge officielle et sans être autorisé à voir sa famille ni même un avocat. L'agence d'information Xinhua déclare que les employés ont exigé et reçu des pots de vin de la part de compagnies de mines de fer chinoises et ont sollicité des informations commerciales secrètes de ces compagnies par la corruption. Rio Tinto dit que ses employés n'ont rien fait de mal. Un procès devrait se tenir plus tard vers la fin du mois ou début mars.